Ouh, on a un setup de fou là pour Crochet. Crochet, c'est vraiment un des meilleurs héros dans certains setups. Et là, on a des meilleurs setups. En gros, quand vous avez les élémentaires, les deux élémentaires récupérés sur l'aéroport sont trop bien. Murloc et Bête, c'est trop bien. Le pirate, c'est trop bien. Les Yoran, c'est trop bien. En vrai, les serviteurs qui matchent pas bien avec Crochet, en tout cas, ils sont tous là. Donc, bah, on a juste les notes pour Crochet là. Après, bon. Parfois on va bien toucher ou pas ce gros power, c'est-à-dire que parfois on va réussir à tripler facilement ou pas, parfois on va réussir à avoir le token en early ou pas, mais le setup est dingue là pour elle. Genre là tu vois déjà ça commence bien. Mais là vous avez le meilleur setup, pas de démon, pas de dragon, pas de mecha, Crochet c'est tier 1 dans ce cas, c'est gotier limite, genre c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Parce que là souvent on va avoir quasiment que des bons choix quoi. On va prendre ça. Peu freeze, il y a option triple direct. Salut Enjoy, ça va et toi? Je vous souhaite un bon combat. C'est mieux ça devant si jamais il a une A2. Dommage. Genre je peux y repos là-dessus et avoir le triple, ce qui serait pas si easy on board, mais bon. En vrai, je préférerais limite avoir un token que le triple LM, là, ce serait plus gênant qu'autre chose en soi. Je suis limite rassuré, quoi. Je vais pas freeze ça, du coup. Je pense pas, non. Pourquoi pirate est bien avec ce héros? Parce que t'as un 2-2 qui est cool. Le truc c'est que démon en fait, tu peux avoir l'option de tiscolaire, mais si tu joues pas avec tiscolaire, c'est nul. En fait, démon peut être bien effectivement avec crochet. Attention, avoir giga tiscolaire, c'est cool. Mais le problème c'est que bah, les deux autres démons ils sont vraiment pas cool à avoir. Donc oui, ça peut être bien, mais pas forcément. Ok. Option triple, double option triple. Je préférerais comme ça je pourrais up. Puis dans le pool, ouais, go. Vous avez soif? Deux options triples, on pourrait reprendre là-dessus. Nata, c'était bien, mais le up est trop bien ici, je pense. Pour ça, alors qu'on était à 23 et à 22. Let's go. Hopi hopi. Vos serviteurs ont vraiment... Bon, maintenant on va falloir commencer à toucher. Genre là, on pourrait avoir sac direct. On a quand même pas mal de. Il y a des chances, ça existe clairement. Go. Voilà, pour accrocher dans ce setup là est débile. Parce qu'il y a trop de scénarios favorables en fait.
En vrai, je pourrais le garder en main et chercher à 6, je pense. Voire même avoir double 6, qu'au prochain tour, je pourrais reprendre là-dessus et avoir un autre triple. Vu que j'ai 40 points de vie, on peut juste le garder en main. Le pirate avec un peu de boost est vraiment strong en early. Ouais. Yep. Là, on va perdre moins 10, mais pour chercher un 6, enfin, c'est vraiment rentable. C'est clairement rentable. Oui. Pas tellement, c'est vraiment le play, je pense. On peut avoir double tour, on peut avoir double serviteur 6, double taverne 6 ou tour 6. Genre, c'est juste trop fort, tu vois. C'est juste trop fort. Essayer d'avoir gemme, pas mieux. Bah, j'ai pas de gemme, donc bon. Plus bon. Genre, avec autant de poids dit, je préfère aller chercher un 6 et puis roll en taverne 5 pour avoir la gemme. Donc, non, non. Nope. J'ai de nouvelles recrues à vous proposer. Je suis con, j'aurais dû commencer par ça. Je suis full con. Parce que si j'avais le capitaine, j'ai pas eu des gemmes là. Je suis full con. My bad. J'ai pensé après. Aïe aïe aïe, tous les boss perdus. My bad. J'ai pensé juste après. Fera plus jamais cette erreur. Never, never, never. J'ai la haine. J'ai perdu tellement de gemmes. J'ai perdu 2 gemmes et demi. Terrible. Bon, mauvais. Tu pouvais pas. Mais non, je dis la merde, oui, non, je pouvais pas. Oui, non, je dis full merde. En plus, je dis, je ferai plus jamais l'erreur. Oui, non, je pouvais pas, j'avais un sac du coup. Oui, non, non, je suis full con. Non, je ne pouvais pas. C'est bien, vous suivez bien. C'est bien, vous avez suivi. T'es bourré un petit peu, ouais. C'est vrai que... En plus, je dis je ne ferai plus jamais l'erreur. Hopi hopi, full drogué. Par contre, c'est dangereux, là. Bon, peu de chance qu'il meure, en vrai. Plus jamais je ferai l'erreur. J'ai même pas fait gaffe que j'ai contre la femme. Imagine, là, gros taunt, il le vole. Oh, il serait mis tellement bien. Il m'a fait douter, ce con. Ah bah... C'est bien, tu suis bien. Youpala. Il y a les pirates en plus. Oupi, oupi, oupi. Oupi, oupi, oupi. GG. C'est vrai que j'ai été meilleur. It's okay, it's okay. J'ai un peu réfléchi parce que je voulais regarder si je devais mettre la gemme avant ou pas. Mais si je la mettais pas avant, je perdais une gemme. Donc j'ai voulu tryhard mes grands morts pour une gemme. J'ai joué ma vie pour pas perdre la dernière gemme. On va up, hein. Y'a l'autre que je dois virer. Lui. Donc je peux y repouvoir dessus. J'ai bête, j'ai pas d'LM, j'ai un murloc, j'ai un pirate, j'ai un uran. Ah, il me manque juste un LM quoi. Peut-être qu'on va toucher là.
Petit chat. Goulourou 60-60, Nozef. Donc il me faut un LM. Ah bah voilà, c'est un LM ça. En vrai c'est un LM. Bouclier diva toxi. Ah ouais, donc moi c'est tout ou rien quoi. Y a pas de juste milieu en fait. Ok. Ok. On est tout ruite, hein. Pour ceux qui auraient pas suivi. On est tout ruite. Effectivement. Ce game est gagné, hein. Ce game est gagné. On est tout ruite, je suis taverne 6. Et vous avez vu mon board. J'aurais limite prendre celui qui boost après à l'option du trip, mais bon. Que c'est de choper des gemmes dessus? C'est un LM, Mosef, de toute façon il me fera ce cloud de toute façon je pense. Mavir, tu vas quand même sortir à ce moment-là. En vrai, je suis plus. Je sais pas, en vrai ça t'est tendu. Je vois ce que tu veux dire, mais. Ça ressemble un peu au niveau timing, je pense que je vais prendre ça pour choper déjà ma tour. Merde. Je me suis permis hein. J'ai lui filé ça. En vrai s'il se fait cleave Osef. Je vais arriver taverne 8, tour 8, taverne 6 et ce board va bu. Ah je pensais que tu parlais de ta game à toi. Oh, let's go, deux gemmes. Je confonds encore les deux, hein, je ne suis pas encore habitué. Encore bourré. Ah, bah écoute, on est belge, on ne l'est pas, hein. Ça, ça peut être bien, comme lui fait, comme ça te permet de faire beaucoup d'achats et de reventes. Le capitaine, et si possible, l'or doré, de l'ardeur est vraiment bien. Bon, j'aimerais bien tripler lui ou lui. Ou l'héroïne, le problème c'est que je suis triple héroïne, je suis un peu bloqué sur le board et c'est un peu le plan de jeu late game. Mais bon, si je vois l'héroïne, on la prendra. Hein. Ah, ça me fait mal au cœur quand même, je vais le bloquer. Faut avoir un truc. Yep. Ok. Je peux faire tenter d'avoir les hop pour le truc. Ouais, ok, ok. Bon, au moins on est sûr de plier la game comme ça. Je n'ai peur de rien. Ce n'est pas le plus fort. Je suis pas sûr de voir le taunter au fait.
prends le temps parce que je réfléchis à ce que je vais faire après. Tu veux pas transférer des gemmes sur une hydre? Je crois que je garde deux cartes. Je regarde deux cartes pour entrer l'hydre, genre. T'aurais pu garder l'héroïne en main? Bah non, parce que je préfère sortir les mecs. Si je peux tuer les mecs, là ça m'arrange. Si je peux juste tuer les mecs, ça m'arrange. Mais j'ai viré un autre truc, à mon avis, tant pis. Bon, let's go, hein. On va taunt l'autre, du coup. Je peux pas le poser de suite là. Ok. Ok, ok. Triple or nothing. Ah, je peux pas, je peux pas. Bon, je prends une toxique quand même. J'ai envie de piquer les héroïnes pour qu'ils les aient pas. Il y avait un pirate que j'ai pas piqué? Ah, peut-être. Là, j'ai vu que j'avais boosté le mauvais. Pourquoi pas virer Chlordera pour Maxna? Parce que tour 11, avoir un Chlordera 32-32, c'est mieux qu'une Maxna. 32-32 tour 11, c'est beaucoup de stats. Tu me dirais, on serait tour 15. Je te le dirais peut-être, mais tour 11, une 32-32, bah regarde son board. Imagine la 32-32 contre son board. Bon, ok, à part la toxie, tu vois. Elle découpe tout. T'as pas peur d'avoir trop de cartes mortes en main avec ta compo? Non, juste un roll dans le vent et basta en fait. Si j'ai plus de place, je roll juste. M'en fous. On est tour 11 les gars. Tour 11, cette compo, genre, y'a rien à dire en fait. Tour 11. Qu'est-ce que les je vous dise? Si y'a Vaillefort, je le pique aussi et je triple ça et triple ça, c'est tout. Là, je m'en fous globalement. Genre là, le Vaillefort, on va le pique. J'ai envie de piquer les héroïnes pour les autres. Bon, pour l'autre. Vu qu'il est tout seul. C'est marrant. Non, c'est abusé. Non, c'est abusé en vrai. Ah, c'est marrant. Le truc, c'est que la proba que je triple ça, elle est tellement faible. En vrai, on pourrait en finale jouer avec double héroïne, dont une tontée et Vaillefort. Ouais, c'est marrant. Ouais, c'est marrant. Non, c'est trop marrant. C'est nul, non. Non. Ah, il se défend, hein. Pour la prochaine game, oui. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en plus, sur cette game, on n'a pas pris de risque en fait. J'ai 32 points de vie les gars. J'avais 40 points de vie j'avais 40 points de vie quand j'ai dit ok, je vais garder le triple en main et je vais me permettre de faire ça, tu vois. C'est ça qui est abusé, c'est qu'on a 32 points de vie. C'est trop fort trouvé, ça descend.
Après, on a eu la chance de tag lui qui était pas trop fort là, qui m'a mis Kovit. Et après, on a tag Grafam sur le timing où il était pas insane. Donc, même en faisant ce play là, j'ai pas perdu le fight derrière quoi. Donc, yep. Il survit. Ah, je pense pas qu'il survit. Hein. C'est nos matchs, oui. Gameplay tour 12. Et après, une fois que t'as ça en place, c'est comme Maverick hier en finale. Hein. En finale, hier, c'est ce que Maverick avait. C'est la compo. Maverick avait double. Capitaine et AGM. Et après, bah, tu cherches de l'héroïne, tu essaies de tripler, basta, tu balances tes gemmes et c'est bon quoi. Et là, c'est tour 12. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce board-là pour tour 12, c'est. Abusé. Du coup, c'est comme Elise, son pouvoir coûte une pièce de plus, c'est nul, et une pièce de moins, c'est broken. Non, mais le truc, c'est que Crochet est top tier, mais c'est pas god tier. Le problème, c'est pas Crochet, c'est pas tellement Crochet. Parce que là, on a eu un setup parfait sur Crochet, dans le sens où il y avait vraiment tous les meilleurs archétypes pour moi, selon moi. Genre, vraiment, c'était le timing parfait. Parce que Crochet, vous me le proposez à côté de. Je sais pas, vous me proposez Crochet et Omu, là, je prends Crochet. Mais tu me proposes Crochet et. Bon, peut-être que Omu, c'est pas la meilleure référence à côté. On va dire tu me proposes Crochet et Ktone, j'aurais quand même pris Crochet ici. Maintenant tu me proposes Crochet et Ktone, mais dans la game tu retires Murloc, Bête et Murloc, Bête, sur le dernier qu'est-ce qu'on pourrait retirer. Je vais dire Pirate, comme ça il reste quand même l'LM pour Ktone. Et tu retirais même LM, dans tous les cas je prendrais Ktone, tu vois. Là le setup il était trop god tier pour Crochet. Mais là, ce qui est fort, c'est Crochet avec les serviteurs qui étaient dispo et surtout avec Capitaine et AGM qu'on a touché super vite. C'est ça qui a été fort, c'est qu'on a touché ça, une tour rapidement lui et let's go. Et le Capitaine, on l'a chopé tour 6, c'est ça? Tour 6, c'est une dinguerie, hein. Sans Murloc, Bête, Ktone n'est pas top. Ktone n'est pas top, mais il est mieux Crochet, c'est ce que je te dis. Forcément, c'est des héros qui jouent avec les tokens, mais Ktone, ça me dérange moi de le jouer sans token. Crochet sans token, ça me pose vraiment un problème. Hein. Un meilleur exemple, donnons un meilleur exemple, parce que je veux bien comprendre que ce soit un peu perturbant pour vous. Un meilleur exemple, ça va être Georges. Georges, tu lui retires Murloc, Bête et LM. Bon, ok, Murloc c'est bien avec Georges, mais c'est pas un drame. Moi ça me dérange pas de jouer Georges sans Murloc, mais retirer Murloc bête à LM à Crochet, c'est quand même vachement plus chiant. J'ai vu que ton plus gros serviteur était 400-400, comment t'as réussi à faire ça sans pirate, une compo pirate. La game est sur YouTube d'ailleurs, si vous voulez voir, la game est sur YouTube. Mais clairement, les serviteurs qui sont dispo vont impacter les choix. Hein. C'est juste que quand je fais ma tier list, je peux pas vous faire 10 tier list différentes avec tous les choix possibles. Merci boiteux, merci beaucoup.